Unit 7. Saying what you'd like to do. Bonjour. You're already familiar with saying what you'd like. Je voudrais une tasse de café. I'd like a cup of coffee. Je voudrais une cigarette. I'd like a cigarette. And to say what you'd like to do, you just use je voudrais and then the appropriate verb. Je voudrais boire. I'd like to drink. Je voudrais fumer. I'd like to smoke. You try. Boire. Je voudrais boire. Fumer. Je voudrais fumer. Maybe you scored well in the testez-vous last time and you are in a jubilant mood. In that case, you might say, je voudrais chanter. I'd like to sing. Say it. Je voudrais chanter. Or, je voudrais danser. I'd like to dance. Je voudrais danser. Now your imagination is carrying you away. Try saying what you'd like to do. Do you want to go to Paris? Voulez-vous aller à Paris? Oui, je voudrais aller à Paris. Do you want to walk along the banks of the Seine? Voulez-vous marcher sur les quais de la Seine? Oui, je voudrais marcher sur les quais de la Seine. How about eating at Maxime's? Voulez-vous manger chez Maxime? Oui, je voudrais manger chez Maxime. Back to Earth again. Did you notice how Jean-Robert asked the question? He said, voulez-vous? Do you want to? But voulez-vous also means would you mind or could you? As in, voulez-vous attendre un petit instant? Would you mind waiting a moment? And that's what the receptionist asked Annick in dialogue one. Annick has an appointment, un rendez-vous, at the town hall with the attaché de presse, Madame Delarue. She called at reception. First, she says she'd like to see Madame Delarue. Je voudrais voir Madame Delarue. See if you can hear what time Annick's appointment is. Bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais voir madame Delarue s'il vous plaît. Oui madame, avez-vous un rendez-vous madame? Oui, j'ai rendez-vous à 9h. J'ai rendez-vous à 9h. At 9 o'clock. You can say j'ai rendez-vous or j'ai un rendez-vous. The receptionist will want to know your name. She says c'est de la part de qui? And you reply de la part de and then your name. What does the receptionist ask Annick to do? C'est de la part de qui, madame? De la part de madame Magnier. Voulez-vous attendre un petit instant, s'il vous plaît? Oui. The receptionist asks Annick to wait a moment while she finds out if madame Delarue is there. Finally, she finds out she is there. Madame Delarue est là. And so, she asks Annick if she'd like to go up. Voulez-vous monter, madame? She informs her where the lift is. L'ascenseur est à votre droite. Listen again. Allô, Madame Delarue? Oui, Madame Magnier est là. Oui, merci, madame. Voulez-vous monter, madame? Le bureau de Madame Delarue est au 3e étage. L'ascenseur est juste à votre droite. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. Madame Delarue's office is on the 3rd floor, au 3e étage. Did you notice how you greet someone over the phone? You say, allô? Telephoning can be quite an operation in a foreign language. Let's see how a native speaker does it. Jean is phoning Paris. The telephonist's first question is, of course, what number? C'est quel numéro? Listen to the first part of dialogue 2. Can you catch what number Jean is phoning? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais téléphoner à Paris, s'il vous plaît. Ah oui, monsieur. C'est quel numéro, s'il vous plaît? 633. Oui. 15. Oui. 38. 633. 15. 38, n'est-ce pas? Oui.
The number Jean wanted was 633. 633. 15. 15. 38. 38. The telephonist asks Jean to wait a moment. Vous voulez patienter? While she gets through to the number. And when she does so, she tells them to hold the line. Ne quittez pas. While she directs Jean to booth 2, cabine 2. Listen to that part of the conversation. Vous voulez patienter, s'il vous plaît? Allô? Paris? Ne quittez pas, s'il vous plaît, on vous parle. Cabine 2, monsieur, s'il vous plaît. Merci bien. So now you know how to say you'd like to do something. Je voudrais téléphoner, for example. And how to ask someone if they'd mind doing something. Voulez-vous attendre un instant? You can make an appointment in French. Well, can you? Let's try. You've got an appointment to see Monsieur Blanc at 3 o'clock. Your name's Baxter. Here's the receptionist. Bonjour. Say hello. She looks married. Bonjour, madame. Vous désirez? You'd like to see Mr. Blanc, please. Je voudrais voir Monsieur Blanc, s'il vous plaît. Vous avez un rendez-vous? Yes, you've got an appointment at 3 o'clock. Oui, j'ai un rendez-vous à 3 heures. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Monsieur or Madame Baxter. De la part de Monsieur Baxter. Voulez-vous monter? C'est au 3e étage. Thanks. Where is the lift? Merci. Où est l'ascenseur? Là, à droite. Thanks very much. Merci beaucoup. And thank you very much, messieurs dames. Oui. Voilà. C'est tout. Au revoir. Dialogue 3. Bonjour madame, bonjour, j'ai madame. Rendez-vous avec monsieur Maisonneuve. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît? Oui madame, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Madame Magnier. Madame Magnier, oui, un petit instant. Oui monsieur Maisonneuve? Madame Magnier est à la réception. Oui, entendu monsieur. Oui monsieur Maisonneuve arrive tout de suite. Vous voulez l'attendre au bar? Oui, merci beaucoup. Dialogue 4. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Je voudrais parler à monsieur Legrand, s'il vous plaît. Oui madame, c'est de la part de qui? De la part de madame Magnier. Voulez-vous patienter un instant? Oui. Hello, bonjour mademoiselle. Est-ce que monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Merci, mademoiselle. Monsieur Legrand n'est pas là, madame. Voulez-vous laisser un message? Oui, s'il vous plaît. Dialogue 5. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais téléphoner à Besançon, s'il vous plaît. Ah oui? Quel numéro, s'il vous plaît? Le 64 06 oui. 22. Merci. Alors, le 64 06 22, n'est-ce pas? C'est ça. Patientez. Ah, je m'excuse, monsieur, votre numéro est occupé. Oh, j'attends. Exercice. À vous de parler. Exercice 1. Exemple. Vous voulez aller à Dijon? Oui, je voudrais aller à Dijon. 1. Vous voulez visiter le musée des Beaux-Arts? Oui, je voudrais visiter le musée des Beaux-Arts. 2. Vous voulez voir le palais des Ducs? Oui, je voudrais voir le palais des Ducs. 3. Vous voulez marcher dans les vieilles rues? Oui, je voudrais marcher dans les vieilles rues. 4.
Vous voulez bien manger? Oui, je voudrais bien manger. 5. Vous voulez acheter de la moutarde? Oui, je voudrais acheter de la moutarde. 6. Vous voulez boire du vin de Bourgogne? Oui, je voudrais boire du vin de Bourgogne. Exercice 2. Exemple. Je voudrais chanter la Marseillaise. Comment ? Vous voulez chanter la Marseillaise ? 1. Je voudrais aller à Paris. 2. Je voudrais acheter une robe de Dior. Comment ? Vous voulez acheter une robe de Dior ? 3. Je voudrais marcher sur les quais de la Seine. Comment ? Vous voulez marcher sur les quais de la Seine ? 4. Je voudrais monter au Sacré-Cœur. Comment ? Vous voulez monter au Sacré-Cœur ? 5. Je voudrais parler au président. Comment ? Vous voulez parler au président ? 6. Je voudrais danser avec Sacha Distel. Comment ? Vous voulez danser avec Sacha Distel ? Exercice 3. Exemple. Vous avez votre passeport ? Oui, voici mon passeport. 1. Vous avez un sac ? Oui, voici mon sac. 2. Vous avez des chèques ? Oui, voici mes chèques. 3. Vous avez une veste ? Oui, voici ma veste. 4. Vous avez un plan ? Oui, voici mon plan. 5. Vous avez des cigarettes ? Oui, voici mes cigarettes. 6. Vous avez un parapluie ? Oui, voici mon parapluie. Exercice 4. Bonjour. Vous désirez ? Je voudrais parler à Madame Labiche, s'il vous plaît. Madame Labiche, c'est de la part de qui ? De la part de Monsieur Lantier. Vous avez un rendez-vous ? Oui, à 9h. Voulez-vous patienter un instant ? Oui, bien sûr. Allô ? Madame Labiche ? Monsieur Lantier est à la réception. Oui, merci madame. Voulez-vous monter ? Oui, merci. Où est le bureau, s'il vous plaît ? C'est au 3e étage. Au 3e étage. Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Oui, vous avez l'ascenseur là, en face. Merci. Au revoir. Je vous en prie. End of taped exercises for Unit 7.